Alors, 5 minutes. 5 minutes tous les jours que j'aimerais dédier ça. J'aimerais qu'on partage 5 minutes de chaque journée à parler de tout, à parler des sujets qui nous intéressent, à parler de nos angoisses, à parler de quoi encore? De quoi encore? En tout cas, à parler des sujets des sujets d'actualité, je veux dire. Alors, si aujourd'hui on parlait de la peur, hein, vous savez, nous sommes tous animés d'une peur. On ignore l'origine, mais à chaque fois, cette peur est là, elle est présente en nous. La peur d'un lendemain incertain, la peur de prendre certaines décisions qui pourraient impacter notre quotidien. Surtout la peur du lendemain. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Dis-moi, est-ce que tu connais ton demain? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Et quand on dit demain, c'est mystérieux. Laisse le mystère au mystère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vis l'instant présent. Ce qui doit arriver demain arrivera. Rien ne nous garantit qu'on verra le jour suivant. Mais on fait une fixation là-dessus et on conditionne notre état d'esprit à vivre dans le futur alors que on est en train de passer à côté de l'instant présent. Vous savez, la peur nous empêche de vivre certaines expériences que la petite voix qui est en nous nous parle, nous dit. D'accord? Pour la petite expérience que j'ai eu à faire, vous savez, il y a très longtemps, je me voyais assis là, en train de parler devant la caméra. Mais je me disais, est-ce que les gens vont m'écouter quand même? Et si les gens m'écoutent pas, tu ne penses pas que tu vas perdre, comme on appelle, du temps à rester et à bavarder pour rien? Vous savez, la peur qui est en nous nous donne les mille raisons possibles pour abandonner. Or que si cette voix, généralement, c'est la voix qui parle le plus et qui a une... que sa voix porte plus dans notre tête. Le plus important, c'est quoi? Si cette voix commence à parler, baissez le volume jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. Tu verras que la deuxième voix qui te motivait commence par te dire, bon, ok, vas-y, tu peux le faire. Maintenant qu'il s'est calmé, vas-y, tu peux le faire. Vous savez, 2022, c'est une nouvelle année qui vient de commencer. Et moi, ma résolution, c'était celle-là. Chaque jour, je dois te faire une vidéo, peu importe le sujet, peu importe ce que je sois motivé ou non. Mais tu sais que c'est en pratiquant quotidiennement qu'on acquiert de l'expérience. Donc, cette expérience, alors, je veux vraiment commencer ça avec toi. Et je crois que d'ici la fin de cette année, nous allons vraiment, vraiment, mais vraiment faire, comme on appelle, un bilan de l'année. Et il faudrait que ce bilan-là soit positif, que ça motive tout le monde, parce que c'est vrai que quand on démarre quelque chose, c'est avec des doutes, c'est avec, avec quoi encore, avec de la fatigue, avec moins de motivation. Mais je pense avec le temps, si on s'approprie la chose, ça va bien, ça ira. Alors, voilà. Là, c'est la toute première vidéo. Je sais que tu as beaucoup de choses à me dire en commentaire. S'il y a des suggestions, elles seront les bienvenues. S'il y a des critiques, elles seront les bienvenues. Mais sinon, tu sais, c'est la première fois que je lance cette vidéo et voilà.
J'espère que demain, tu seras au rendez-vous. Parce que moi, je te rassure que demain, moi, je serai encore là. Parce que bon, voilà, c'est un challenge que moi-même, je me suis lancé et je compte aller jusqu'au bout. Donc, j'espère que ça va. Je compte te lire, bien sûr, dans les commentaires. D'accord? Et voilà, bonne journée.